Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la présentation de nouvel épisode de Mad Max. Donc chers amis, nous allons prendre la voiture cette fois-ci, chers amis. On va aller faire ce qu'on était censé faire depuis si longtemps. On va aller, chers amis, j'arrête pas de le dire, je le fais exprès, chercher donc, bien sûr, la ferraille qui est ici. Oui, on va s'arrêter là, puis on va prendre le point d'information, puis on va continuer dans les quêtes. C'est parti, on y va, chum. Je vais déjà faire une ellipse, excusez-moi, un instant. Voilà, re, chers amis, donc on y retourne. Hop. Simplement, je voulais juste vérifier un truc. Qui n'a d'ailleurs pratiquement aucun rapport avec le jeu. Plus avec la session de tournage en elle-même. Et en attendant que ces gens passent, je vais re-revérifier un autre truc. Un instant, je suis désolé. Cette fois-ci, on est bon, chers amis. Cette fois-ci, c'est bon. On va pouvoir y arriver. Hop. Salut les mecs. Et il paraît que vous voudriez de l'eau. Allez, bois. Fais pas chier. Oh putain, tu serais pas un mécano, toi, par hasard. Thank you, stranger. Bon, les gars, vous comprendrez que je nourris que votre chef. Oh putain, non, il va encore mourir. Et voilà, il y en a encore un qui est mort. Chevaux de Skyrim! Oh non! Blah! C'est cool, je casse ma voiture tout seul, comme un grand. Ah bah, eux aussi, apparemment. Boum! Choc frontal! Tu l'as vu venir celui-là? Oh putain, le V6 de. Oh là là! Allez, pousse! Oh mais non! Je le rate à chaque fois! Raté. Elle était belle celle-là. Oh là là, le pauvre V6 quoi. Qu'avance à rien. Ah, vas-y, monte. Allez, monte. Non, retourne-y, redescends. Non. Redescends, je te. Ah merde. C'est moi qui redescends. Fais chier. Blablabla. Marche arrière. Oh bah dis donc, elle est limite plus rapide en marche arrière pour les côtes. Bref, tu sais, j'en ai rien à foutre de lui. Hein. Par contre, tu peux réparer la bagnole, ce serait pas mal. Ce serait peut-être le temps. Ouais, répare ça en vitesse. Carrément. On est niveau 9 ou niveau 10? Encore des nouveautés au niveau du garage. C'est bizarre quand même. C'est dans l'élément récupéré, non, dans les légendes justement. Voilà. Maguire niveau 8. Après on aura Roi des Sables. On a 11 jetons, ce qui n'est encore pas tout à fait assez. Dommage que ça continue pas, enfin qu'il continue pas à bosser pendant que. Mais enfin bon. Alors. Moi j'aimerais bien récupérer mon petit V8. Un de ces quatre, très cool. D'ailleurs, au passage, je peux pas améliorer mon V6. Acquis pour débloquer. D'accord, faut que je baisse dans le territoire de Goulgash. Je connais pas de Goulgash, moi personnellement. Bon, allons-y. T'es trop lent. Ah, pardon les gars, je vous avais pas vu, vous avez bien fait de parler. Boum, vous n'êtes plus rien. C'est con. Hein. Wouhou. Attendez, il y a un truc sympa à faire là. Attends. Voilà. Est-ce que je peux... Voilà, merci. Crac. Ça c'est fait. On est toujours dans le territoire de Jit ici? On est où exactement? Ah oui, putain, je me dis, il me montre vachement haut. Mais non, non, c'est bon. Cool.
Puis en plus, il y en a un deuxième là avec une voiture juste devant qui crame apparemment. Si elle crame, c'est pas bon signe. Allez! Bon, là, on va réparer la caisse. Oula, attends, il y avait un mec qui donnait des choses là. J'espère que je l'ai pas tué. Oh non! Oh non! Pas une tempête de sable! Salut l'ami! I'm cast out from Balefire. Their leader Jeet judged me and found me wanting. No fighting spirit left. Too broken and old for their battles against the hordes of Gastown. So what'll it be? Help me with this loot and split it, or corpse me and take it all. Ok. Et donc on a récupéré quoi? 50 ferrailles et je peux la tuer, mais je vais pas la tuer. Pourquoi je la tuerais? Faire gaffe. Ah, donc c'était bien des mini tornades. Donc on avait, j'avais pas compris ce qui me faisait des dégâts dans le précédent épisode ou dans celui d'avant, je ne sais plus, parce que ça m'envoyait des objets sur le nez. C'était bel et bien donc une mini tornade qui me faisait des dégâts. C'est bon à savoir. Oula, c'est à droite. Alors. Ouh là là. Et une décharge avec des gens. Non. Arrête tes conneries. J'ai dit non. Ah, je suis pas bon là. Voilà. Dis au revoir à ta jambe. Dis au revoir à ta jambe aussi. C'est pas la même jambe que je te casse. Hop, tu perds ton arme. Dis au revoir à ton bras. Alors. Oh. Boum. Tu l'as vu venir celui-là? Bon. Je préfère ça. Qu'est-ce qu'on a donc? Waouh. D'accord. Ok, rien que ça. Juste pour voir si je zoome à fond. Pièce ferrailleur et une carrosserie. Donc oui, c'est bien, elle est bien affichée. Oh, deux de ferraille, une pièce et une carrosserie. J'ai les deux de ferraille. Avant de prendre la carrosserie, je vais prendre la pièce. Qui doit être, j'imagine, en haut. Allez, c'est par là. Oh, une carrosserie. Oh! Alors, élément de projet, ferrailleur, 3 sur 4. Il va falloir qu'on cherche le quatrième, chers amis. Voilà, donc on a tout sauf, bah forcément. Hop. La carrosserie. Hop, ramène la bagnole. Ok. Alors, dans le garage, si on veut sélectionner une archange, c'est la Jack qu'il nous faut. Ah oui? Ça m'a coûté des trucs? Non, rien du tout. D'accord, terminer les conditions requises. Effectivement, ça change de gueule. Hein. Oh, pareil. Donc, j'imagine. Waouh! La ferraille et la monnaie d'état, désolé, ne doit jamais être gaspillée. Entre les mains experts de Chum, la ferraille peut se transformer en puissante amélioration pour la monnaie opus et pour Max. Mais je suis au courant! Hey, j'ai. Mais je suis au courant! Je suis au courant de tout ça, les gars! Hein. Ah putain, elle est vachement plus haute! We stand ready to finish the jack now. The final touch, we can and must lay at Dirtgash's stronghold.
Chevaux de Skyrim sous le capot. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu me le dis si je suis pas discret. Hello. Par ici, il y a qu'un seul type assez costaud pour être pris au sérieux. Brise Moignon. Un méchant. Il était sur les flammes et le feu en général. Ça peut être un bon moyen de le faire souffrir. Chers amis. Si tout ça n'est pas élégant. Oula, sniper! Entrée secrète sous la structure, zone de butin sous l'arène du Caïd, périmètre très bien défendu. Oulala. Là là. C'est là qu'il faut qu'on aille? Ah non. What? Bah écoutez, en un sens, c'est pas plus mal. Je pensais qu'on allait faire ça, moi. Ah, je vous avais promis de l'histoire, ça fait chier. Bon, bah on va faire de l'histoire. On va même rouler jusque là, chers amis, écoutez. Hein. Je vais même pas faire le snipe pour vous dire. On va vraiment faire de l'histoire. Pour votre plus grand plaisir, chers amis. Bla. Bon, non, attends, je crois qu'elle a pas été dans le bon sens. Allons-y. Alors. Bizarrement, elle me semble légèrement plus rapide quand même. Alors, je sais pas si la carrosserie. Alors, attendez, on va s'arrêter. On va aller voir si la carrosserie peut influencer directement. Non, la carrosserie n'influence en rien la. Furnace, ça ressemble à quoi? D'accord. Ok. Bon, pourquoi pas. Ah, attendez, j'ai cru voir un truc. Ça, c'est quoi? Ah oui, d'accord. Oh! 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 Hé hé! Salut, ami! Tiens, arrête-toi. Non. Access denied. Voilà. Dis au revoir à ton bras. Voilà pour le deuxième pneu. Elle roulera plus. Salut. Le mec qui fait ça juste pour le plaisir. La 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 la. Alors, roulons un peu, chers amis. C'est cool, s'il y a des ferrailles, des décharges, pardon, avec des carrosseries, ça peut être vachement cool. Mais bon, il n'y a pas tant de carrosseries que ça que j'ai presque compris. Voilà, ça c'est fait. Les griffas à gauche, mais je résiste à y aller. Faudrait que je reste mieux, enfin plus précisément dans les espèces de routes, on va dire, on va passer des routes. Dans les traînées, dans les traces de pneus. On atteint la vitesse de pointe de la voiture. Pourquoi j'ai perdu de la vitesse? Alors, j'imagine qu'on vient de changer de zone, d'où le... Salut les mecs! Nouvelle bleue, territoire de Goutache. D'accord. Boum! We're in God
Fais gaffe, là, ça, il est sans pitié, comme Jeet, mais plus vieux et plus méchant. Il vit dans une épave du désert blanc. Son clan, c'était le peuple de l'eau, les pirates, les esclavagistes, il prédirait de nouvelles crues. D'accord, donc en plus, il les tient vis-à-vis d'une espèce de... de mysticisme. Oh. Je vais vous aider. Je vais vous aider, mais c'est à con. Où ça? Où ça? Aïe. Putain, qu'est-ce qui m'a fait mal? Je vais pas vous aider les gens, je suis désolé. Je vais vous aider. Au péril de ma propre vie, je vais vous aider alors. Ne vous cassez pas. Oh putain. Voilà. Allez, ramène-toi. Aïe. What? Il s'est éclaté devant moi. Oh, c'était horrible. C'était tout bonnement horrible. What? Qu'est-ce que vous faites, les gars, là? Vous rampez pour de la flotte? Oh merde! Oh merde! J'ai plus d'eau! Je suis allé les voir en leur disant: hey, j'ai fini ma gourde! Salut les gars! Oh putain, c'était horrible! Appuyez! Blah! Oh, 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 oh. Oh, c'était beau! J'aime quand ce genre de choses arrive, chers amis! Ah là là! Ah, puis c'est pas souvent quoi! En plus! Oh là. Full contact. Raté. Et oui, comme j'ai boosté juste avant, c'est lui qui s'est pris le choc frontal. Ils vont fuir là normalement. Voilà. Ce qui en soi pour moi n'est pas un véritable problème. Ils ont rien sur eux, tu le sais bien. D'ailleurs, ça me gonfle que tu me dises qu'ils aient des choses alors qu'ils n'en ont pas. Pour être tout à fait honnête avec toi. Bon, allez, on y va. Elle a très mal, effectivement. Bon, bah vas-y, répare. Bon, alors qu'est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est là? D'accord. On a un point jaune. Course à la mort. Les courses à la mort permettent vaguement de faire plus qu'un avec leur engin. Pourquoi il m'indique comme ça? D'accord. Juste pour information, chers amis, ce que vous voyez là, par exemple, le grand rien, apparemment c'est une zone accessible à par endroit. Hein. Enfin bon, on verra bien. Là, par exemple, je pense que c'en est un. Là aussi. Là aussi. Je crois qu'on allait voir ça. Donc on est juste là, d'accord. Bon. Répare la caisse. D'accord. J'imagine que c'est là qu'on va. The ship. It looks peaceful from afar. Mm. They're not seaworthy.
On s'en répare dur. Non, j'avais pas vu les éoliennes, j'avais pas fait gaffe. Oh putain. Boum. Aïe. Ah, je l'ai raté. Bon, allez, on y va. On roule. Tire-toi, crétin. Il est bon, chum. Hello. Je viens en paix. Je la referai pas non plus. Piège. C'était gros comme un camion. Oh, le triple canon. Forget that whimpering and the devious suckling face. Ça mérite d'être clair. Oh, dead a dozen times if you do, boy. We've come to deal. Nothing else. I got cash. So pitch me, little man, before I make a blood sport of your driver here. Oh, he's no ordinary driver. This one, oh, he was sent to me by the angel combustion herself. Angel. We parley with the water gods here. We desire to make way to the dead baron. My sanctum. My sanctum is destroyed. Un peu d'histoire, ça fait du bien. En plus, il nous rappelle un petit peu les. I have nothing left. Please. This car needs healing, she does. And strengthening. Yes, and if you let us stay here and rebuild, then I. Vous savez, pour les mouvements de va-et-vient répétés au niveau d'une espèce de gros piston. Blackfinger. Yes. You'll have one chance for me. N'empêche qu'il est intéressé par ses doigts de mécano, c'est impressionnant. Dommage que ces animations soient mauvaises. I need welding wire to do my work. Make do for now. I'll find your welding wire. Ok. Alors ici, on a une relique historique et 4 ferrailles. Donc on va aller se faire ça. Ouh, pourquoi c'est déjà bleu? Petite réserve. Ça coûte cher, dis donc. À combien, moi? Je veux bien construire la petite réserve, mais... Quoi ça va servir, je sais pas. D'accord, c'est simplement pour l'aider à se développer. Ce qui veut dire que j'ai gaspillé mon argent, c'est ça? Oulala, il n'a qu'on le mal de mer sur terre. Ou alors il a la dalle. What? J'ai cru voir un truc qui me gênait. Non, c'est bon. Ah. Alors. Oh, la belle moto.
La gueule, ils savent même pas dans Mad Max que c'est une moto. Alors ça doit soit être une espèce de... Peut-être pas dire d'excuse, mais presque de développeur. Soit c'est stupide d'avoir mis ça. Franchement, c'est vraiment pour foutre la haine, quoi. L'armurerie. Non, c'est pas l'éclaireur que je veux, c'est la ferraille. Merci. Décharge explorée. Tu sais quoi, mon jeu dit que ta ville, c'est une décharge. Bon. Salut, chef. Tu veux pas me parler du tout. C'est cool. Et donc, faudrait que j'aille. Il faudrait que j'aille. Donc, quelque part là-dedans, apparemment. Récupérer le fil à souder. Pourquoi pas? Hello there. Bon, j'avais promis des filles dans ce let's play, il n'y en a pas des masses. Hein. Du fil à souder, wouhou! Je suis déjà en train de piquer dans leur matos, quoi. Bonjour, bonjour, j'arrive, je pique dans votre matos. Et mon chien est déjà installé! Ah, le blindage peut maintenant être installé. Cool! J'imagine que je vais en débloquer plus d'un niveau, quoi, en fait. Même pas, je suis vexé. Voilà, j'ai la archange actuellement. Donc la jack. 5 pièces manquantes, 2 pièces manquantes. Ange de vitesse. Oh la vache, elle est sublime. Bon! La jack est faite. Ça c'est cool. Mission de l'histoire terminée. Un classique des terres désolées. Je me quête l'appel la jack. Pour moi c'est pas un de plus. C'est un pas de plus vers la voiture que je cherche. Petroville reste mon objectif. Nous ne sommes pas encore prêts. Magnum opus, consecrated corpus of the angel combustion. Your guise is now that of the jack. Complete, radiant, deadly. Ready for anything? It won't be complete until we get the V8 from Gaston. Voilà, on est d'accord. Indeed, indeed, yeah. And maybe, not even then. Qu'est-ce qu'il veut encore? What? Il y a une quête d'histoire ici. Démantelez un camp sur le territoire de... Non, on va faire ses preuves pour gagner la confiance, d'accord. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'on ira quand même faire les décharges rapidement. Je pense dans un des prochains épisodes, on ira faire les quelques décharges. Plus ceci. Une fois qu'on aura fini les décharges, on passera à un épisode, je pense, à faire un camp ici. Et on reviendra encore une fois ici, faire les différentes mines et les camps. Vous voyez, il nous reste un camp et un champ de mines. Donc après, derrière, ça sera très rapide. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom, dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à postuler dans le groupe Steam, dans le sous-forum candidature pour participer à une session de tournage d'un de mes jeux en ligne. N'hésitez pas aussi à cliquer dans les descriptifs de l'épisode. Vous avez des liens vers mon partenaire gamesplanet.com, donc il m'a gracieusement offert le jeu et je vous en remercie, pardon. Je les en remercie, je vais y arriver. Donc encore une fois les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens.